Tu ferais bien en faire autant, Fennec. Un très grand détective doit être en super forme. Tu ne vois pas que je suis en plein effort, Achille? Quoi? Je fais faire des pompes à mon cerveau. Bonjour, les sportifs. Votre journal, Fennec. Et puis une lettre. Je me demande qui peut bien vous écrire comme ça. Je me demande aussi, Chris. Au revoir, les sportifs. Salut, Chris. Allez, viens. On n'a pas fini le parcours. Oh là, ça gratte. Oh, mais qu'est-ce qui me démange comme ça? C'est une nouvelle gymnastique? Oh non, là, ça me gratte dans le dos, entre les omoplates. Oh, vite, Achille, gratte-moi, je t'en supplie, je tiens plus. Oh oui, comme ça, c'est bien. Oh, ça fait du bien. Merci, Achille. Tiens, le garage est fermé. Georges et Basile sont en vacances à la campagne, à ce qui paraît. Oui, oui, grimpe plus fort, plus j'avance. Alors, oui. Par qui on commence? Moi, c'est à moi. Ah non, j'étais le premier. Olivia n'est pas la seule à se gratter, on dirait. Il vaut mieux ne pas s'approcher, c'est peut-être contagieux. Redémarre. Désolé, Achille, ma curiosité me démange. Eh ben moi, je prends des précautions. Salut, souris sucrée. Qu'est-ce qui se passe? Des démangeaisons horribles. Je n'en peux plus de me gratter. J'espère que Jeanne Tisane a un bon remède. Je suis guérie, les amis. Ça me gratte plus du tout. Jeanne m'a donné une pommade à base de plantes et d'herbes. Et qu'est-ce qu'il en reprend? Suivant. On ne veut plus de remède, Jeanne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ne t'inquiète pas, Gustave. Un petit coup de tondeuse chaque jour et tu seras beau comme un parterre fleuri. J'ai fini ma tournée, Fennec. Vous m'offrez une orangeade? C'est de sa faute. C'est à cause d'elle que tout le monde se gratte. Mais... On n'accuse pas sans preuve, Gustave. C'est juste après qu'elle soit passée que j'ai commencé à me gratter. Moi, pareil. Elle m'a apporté une lettre et puis les démangeaisons ont commencé. Comme moi. Christ a aussi donné une lettre, Gustave? Oui, celle-là. Et en plus, elle était vide. Je n'ai rien fait, Fennec. Ouais, évidemment, il n'y a pas le nom de l'expéditeur. Tu crois que c'est à cause des lettres qu'on se gratte autant, Fennec? Ah, c'est bien ce que je pensais. Mais c'est quoi? Une fine poudre rouge qui provoque d'affreuses démangeaisons. Tu ne vois pas, Achille? Fais un effort. Du poil à gratter! Tout juste, Auguste. Tu es un vrai très grand détective. Maintenant, il ne reste plus qu'à découvrir qui est le petit rigolo qui envoie ses lettres. Et pourquoi? Ah, tu dois nous expliquer, Chris. Qui te paye pour distribuer ces enveloppes pleines de poils à gratter? Maman, je vous le jure, je suis innocente, Achille. C'est pas moi qui ai mis des poils à gratter dans les enveloppes. Moi, je distribue le courrier, c'est tout. Ne brusque pas notre factrice, Achille. Laisse-moi faire, Fennec. Je connais mon métier de très grand détective et elle est sur le point de craquer. Entrez. Salut, Jack. Ce n'est pas le moment de venir nous proposer tes inventions, Jack. On est en plein interrogatoire. L'affaire du poil à gratter est sur le point d'être résolue. Justement, j'ai une révélation à faire. On t'écoute. Excuse-moi, Chris, mais il faut que je le dise. On n'en peut plus de se gratter, nous. Il faut que ça s'arrête. Voilà, hier soir, au moment de sortir mes poubelles, j'ai vu Chris. Elle avait l'air vraiment bizarre. On aurait dit qu'elle avait peur d'être vue. Elle s'est approchée de la boîte aux lettres et lui a mis une enveloppe ou plusieurs, j'ai pas bien vu. C'est pas moi, Fennec, je vous le jure. J'ai pas envoyé de poils à gratter. Puisque Jack t'a vu, Chris. Mais c'est pas moi, Achille, il faut me croire. Tu as bien envoyé des lettres en cachette. Qui avait-il dedans et pour qui était-elle? Je peux pas le dire, mais c'était pas du poil à gratter. Tu peux rentrer chez toi, Chris. Ben, quoi? Mais on la laisse partir? Je suis sûr que c'est elle. Ça doit l'amuser de voir tout le monde se gratter. Mais non, ce n'est pas le genre de Chris. Oui, ça va, oh, si j'ai peur. Dépêchez-vous, il en faut deux. Un pour chaque main. Mais dépêchez-vous. Oh, c'est insupportable. Doucement, il y en aura pour tout le monde. Voilà, c'est trois chewing-gums. Tenez, monsieur Gustave, le modèle spécial chair de poule. Je peux enfin me gratter le dos toute seule. Quelle bonne idée il a eue, cet Armand. Il ne peut pas dégager le passage, celui-là, avec son tracteur pour gratteur. En tout cas, il n'est pas bête. Vendre des grattoirs quand tout le monde se gratte, c'est rusé. Et puis, ça rapporte. Il m'intéresse, ce bienfaiteur de l'humanité irrité. On le suit.
Je renifle la bonne piste par là. Oh, moi, c'est la campagne que je renifle. Bon sang de bonsoir. C'est-y pas ce Fennec? On m'avait bien dit qu'il me chercherait des poux. Je m'en vais te le semer, ce garçon. Il essaie de nous semer. Il a sûrement quelque chose à se reprocher. Armand, il aime pas les curieux. Un petit jus de betterave, hein? Freine, Fennec! À gauche! À gauche! Ça glisse trop bien! Si je le tenais, cet Armand! Pour ça, il faudrait qu'on le retrouve. Pourquoi ça me gratte? Fennec, on n'a pas reçu de lettre. En effet, c'est bizarre, Achille. Je sais, c'est parce qu'on n'est pas loin de la source du poil à gratter. Regarde, si je mets mon mouchoir face au vent, il va se charger de poil à gratter. Tu veux dire que c'est la tempête qui fait voler le poil à gratter, comme avec les feuilles mortes? Exactement. On doit être tout près des réserves. Il suffit de marcher face au vent. Tout droit. Dire que j'ai oublié mon parapluie. Oh, ça gratte. Ah oui, ça va. Voilà. Voilà, ça vient d'ici. Si mon flair est bon, Armand ne devrait pas être loin. Je vais te faire la courte échelle, Achille. Tu vas regarder. Mais bouge pas tant. Excuse-moi, ça me démange tellement. Alors, qu'est-ce que tu vois? Le tracteur est là. Tu avais raison, Fennec. Que vois-tu d'autre? Décris. Il y a des cosmonautes. Des cosmonautes? Et pourquoi pas des martiens? Mais si, je t'assure, ils sont dans un champ et on dirait qu'ils ramassent des petites boules rouges. Ah, je comprends. Ils ont des tenues de protection contre le poil à gratter. Oh, j'en peux plus, Achille. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on allait leur donner un petit coup de main pour la cueillette. Tout a marché comme vous l'aviez prévu, les cousins. Les grattoirs se vendent comme des petits pains. Tu n'as pas été suivi par Fennec? Oh, c'est qu'il a bien essayé, mais je l'ai semé. Parfait, cousin. On peut passer à la deuxième phase du plan, l'opération arrosage de croquis-mille. Cette voix me rappelle quelqu'un. Il faudrait s'approcher. Attention! Lâchez-le, je compte jusqu'à trois. Ah oui, tu l'as semé. Occupe-toi de lui, on se charge du nabo. Laissez-moi descendre! On n'a pas de temps à perdre. Direction Croquis-Mille. Oh, si je les tenais, c'est nos cosmonautes! Je te parie mon poids en chewing-gum que c'est Georges et Basile. Mais comment on va sortir d'ici? Avec notre tête. D'accord, patron. Non. Non, pas comme ça, Achille. Oh, ça fait mal. Par contre, ça me donne une idée. Prête-moi ton blouson, Fennec. Et tu es sûr que ça ne va pas agrandir les manches? Tu préfères rester là, peut-être? Ça y est, j'ai compris. Ils vont arroser Croquis-Mille de poils à gratter pour vendre plein de grattoirs. Les lettres n'étaient qu'un petit coup d'essai. Plus de pédalage, moins de bavardage, il faut arriver à temps. Au secours des martiens! Tout Croquis-Mille va se gratter. On va vendre plein de grattoirs. On va être riche. Bientôt, Croquis-Mille va s'appeler Grativille. Regarde, Achille et Fennec, ils sont échappés. Ils commencent à m'énerver, ces deux-là. Attention! J'ai une idée. Je vais avoir besoin de toi, Achille. Où sont-ils? Alors, les cousins, on se croit au champ, c'est pourtant pas la saison des battages. Cette fois-ci, je ne vais pas le rater. Oh, c'est affreux. Georges, gratte-moi le dos, je t'en supplie. C'est trop horrible.
Je ne peux pas, Basile. Ça me démange de tout. Ah, la baignade est interdite, les cousins. Vous êtes bons pour une amende. Dis, au fait, Chris ne nous a toujours pas dit à qui et pourquoi elle envoie des lettres en cachette. C'est son petit secret. Bonjour, les très grands détectives. Voilà votre journal. Et puis, il y a aussi une lettre. Attention, il y a peut-être du poil à gratter dedans. Il faut se méfier. Je vais l'ouvrir tout doucement. Pour Fennec, tendrement, signé une admiratrice. C'est encore ton amoureuse inconnue.